pour la première fois, nous allons reconstituer en 3D la ville où s'est déroulée l'ultime grande bataille entre conquistadors et le dernier souverain maya. C'était une résistance vaillante face à un ennemi bien plus nombreux. Pendant des siècles, les Mayas ont dû cohabiter avec les Espagnols. Quelles furent leurs ruses pour préserver leur riche culture ? C'est vraiment exceptionnel. Nous pouvons presque entendre les musiciens mayas jouer de ces instruments d'il y a 200 ans et même plus. Aujourd'hui, les descendants de ces mayas forment une communauté nombreuse et dynamique. Il y a 8 à 10 millions de gens qu'on considère comme étant complètement mayas. Comment tout un peuple s'engage-t-il pour révéler au monde entier la grandeur et la force de cette brillante civilisation ? En réalité, la culture maya est l'une des plus résilientes au monde. Les mayas ne se sont jamais effondrés. Nous sommes en l'an 900 après Jésus-Christ. La ville de Tikal, autrefois capitale d'un royaume, a été abandonnée progressivement par sa population. La nature a repris ses droits. Des 100 000 habitants qui vivaient jadis dans cette cité florissante ne subsistent que quelques individus. Beaucoup ont fui la sécheresse pour s'installer au sud, dans les hautes terres mayas. D'autres sont allés vers le nord, dans la péninsule du Yucatan. C'est une période de reprise après l'abandon de nombreuses villes. Après toutes les crises vécues par la